Martini. Tu viens de mettre en route une vidéo? Quoi, oh, j'allume mon vrai. Alors, c'est quoi la musique dans le casque? D'où est-ce qu'elle vient, cette musique? À qui c'est ce téléphone? C'est le téléphone de Pascal. Bonjour, Pascal. Bonjour, Pascal. Alors, quand tu vas voir la vidéo, tu vas te dire, mais c'est pas possible. Ils sont complètement fous, tous les deux. Ben, écoute. Tu te rends compte, hein? Est-ce que tu te rends compte, simplement? Bonjour, Pascal. Là, tu m'as fait rire. J'aimerais bien avoir un putain de studio comme ça. Moi aussi. Non, sérieux, c'est classe. Donc toi, t'as vraiment un truc design complètement différent. Différent. C'est un truc de fou, hein. Quoi, tu veux me faire remonter à la surface? Moi qui suis si bien dans l'eau et l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Tout, tout, c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Bonbon, pas, Pascal. Bonbon, Snoop, Candy. Oh, tu sais à quoi je pense quand je vois ce coussin? Ah, oh, Pascal. Oups. Parce qu'elle a toujours des t-shirts. Tu sais, des t-shirts avec l'Amérique. Tu crois qu'on s'est filmé combien de temps? Jusqu'au temps qu'il n'y a plus de place. C'est qui? Bulldog. Un rappeur. Bzoldog. Il est venu faire ça ici? C'est bon? C'est qui, Franz Govarts? Il était une fois. Tu veux prendre le stylo, une carte fait. Oh, on a même une photo. Ça, c'est cool de l'avoir vu. Yuri, ouais, je le connais aussi, il est sympa. Et Dan, Dan Delville. Bonjour, c'est la nuit Paris. Les chasseurs et les chiens vont faire. D'accord. C'est comme Franz Govarts, ça, c'est pas son vrai nom, hein. Qu'est-ce que vous dites? Tu crois vraiment? En réalité, il s'appelle John McCoy. Oh, yeah. Mais il aime pas. Non, moi je pense plutôt Francis. Francis. Francis Goyard. La synthèse de l'aspirine fut réalisée pour la première fois par un savant français. Francis Goyard, boucher. D'ailleurs, on peut voir que ce garçon a déjà découpé de la viande. Rien qu'à voir le regard. Regardez. Oula, comment il crie. Toi. Il regarde le geste, hein. Ouais, c'est le couteau qui tranche la gorge, ça. Ça moutache, ça, c'est pas un micro là-bas. C'est quoi? Un couteau. Un parlophone. Oh my god. Bon, on va arrêter, parce que c'est pas trop marrant, ça. Putain, mais t'es en train de niquer mon PC, en réalité. Attends, excuse-moi. D'abord, à la base, c'était, je vais te mettre un truc sur ton PC, tu vas voir, c'est génial pour enregistrer. Quoi, ça enregistre? Oui, bien sûr, mais alors tu me prends combien? 4,4 mg? Après, il n'y a plus de place, hein. Tu veux faire une photo? Oh là 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 là. Bon. Volgende liedje, dames en heren. Waarom bent u weg zo quick, zo rap? Waarom bent u zijn weg zo?
Oh, excusez-moi, excusez-moi, celui-là, ik ben gerateerd. Qu'est-ce que vous dites? Francis Goyard, d'un baritonen van stem. D'un baritonen stem, heel bedankt. La quanta bella. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never... Oh putain. Boys and girls and everybody else, the great moment that you've waited for, the one and only Elvis Presley. C'est cool que tu l'aies mise là, c'est bien. Ouais, franchement, il donne bien là. T'avais quoi là en fait avant? Ah, t'es bon gars. T'es bon gosse. C'est que parce que je sais pas trop comment on l'appelle hein, ça moi. Je suis pas un frappeur, je suis un chanteur. Voilà. Le vieux piano, lui, il est relayé à même pas avoir de courant dans sa gueule. Il n'a pas de courant. Il n'y a rien. Il est nice. Dis-moi, ta toile ici, elle a un problème, ma fille. Franz Goffert, c'est un postillon, c'est... l'acide. Oh, voilà. Pascal va voir la vidéo. Oh my god. Je ne peux pas faire ça. Montrer ton calbut. Oh yeah. Dis, hey. Non mais. À tes sous-vêtements, je peux donc comprendre que tu es également fan de Jacques Brel. I think we lost him. Non, Rossi. Oh putain. Bon. Wow. Là, j'ai bien ri. Ce qui veut dire... Bon. Que... Allez. Ludo. Papier. Pas bouger, ça, la police. Oh my god. Bon, d'accord. Je vais aussi arrêter parce qu'en définitive... On perd. Je crois que j'ai quand même pété mon casque. Bon, allez, pchit. Je sais pas quand est-ce que tu vas voir cette vidéo en définitive. J'ai mis où le bonbon? Je sais pas, tu l'as mangé? Nanani. J'ai un goût de renard mort en bouche, c'est pas possible. Ah, il est là. Oh là, j'ai pris Coca. J'ai pas du tout envie, Coca. Tu sais, ça m'a manqué de prendre l'accent belge, là. Eh, trop fort, il s'appelle Elodie, les bonbons. Comme ma belle-sœur. Wow. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, non, c'est la marque du bonbon, c'est Elodie. Mais ferme ta gueule, son. Bon, Pascal, tiens, dis au revoir à Pchit. A plus! A plus! A plus, je pchit! Hey, c'est dur à dire, hein? Ouais, a plus, je pchit! Il y a plein de H partout! C'est pourquoi je l'appelais comme ça? Non. Et là, c'est le drame! Je t'ai déjà expliqué. Mm-hmm. En fait. Elle a les cheveux noirs. Mm-hmm. Mais il y a un moment d'ici, elle a voulu faire une coloration. Et est-ce que ça a raté? Et elle a pas osé le dire. Ou alors, est-ce que c'est réellement ça qu'elle voulait? Mais en attendant, moi, je trouve que ça lui allait pas du tout. Et c'était une couleur comme une allumette brûlée. Ah, d'accord. Votre pharmacien vend la boldoflorine. Et voilà. On saura la vérité. Ils sont dégueulasses, ces bonbons. C'est pas pour dire. Écoute. Oui, ils sont bons. Oui, mais c'est obligatoire, ça ne doit pas plaire obligatoirement à tout le monde. Ah non, tu devrais mais... également avoir... Oh, dis, ça va. J'ai eu de la pizza, si tu veux.
Alors voilà, dis bonjour à Pascal. Bonjour. Ça fait 10 minutes 28 que je filme. Attends, ouais, non, je suis pas en direct, oh, évidemment. Je me permettrais pas de t'afficher si c'était une vidéo pour mettre en public. Quoique. Non, c'est le téléphone de Pascal, elle me l'a prêté. Parce que j'ai pas de téléphone belge. Ben quoi? Quoi? J'ai pas de réseau belge, quoi, j'ai pas de carte. Ils sont dégueulasses, ces bonbons. C'est une catastrophe. C'est les bonbons, là. Ah ouais, non. Oh putain. Écoutez, Pascal, je suis vraiment désolé, mais je peux pas. Donc, comme c'est son téléphone, elle va peut-être un jour regarder dans ses vidéos, je ne sais pas. Voilà. C'était en direct de chez Ludovic. Je t'embrasse, on se parle bientôt. Ciao. 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 Mon épouse Laurence et les enfants vont regarder la vidéo, ça ne te gêne pas de leur dire bonjour? Ah, mais non, ça ne me dérange pas. Ah, vas-y. Bonjour. C'est parce que je les vois pas, ça fait drôle. Ah oui, mais non, ils vont seulement regarder quand je rentrerai chez ah, moi. Ah oui. Ah ben, bonjour et un gros bisou de sort sur sang. Ah, ça c'est cool. Merci.